Les amis, grand et bel événement aujourd'hui. On assiste pour la toute première fois dans l'histoire à l'avènement, à la naissance de la toute première Alpine 5 portes. C'est pas rien, contemplation. Non mais vraiment, ouais. Parce que c'est... En fait, chacun a une idée de ce que doit être une Alpine à 110 déclinée en 5 portes. C'est hyper dur pour les designers. Et donc la voilà, elle s'appelle la 290 Beta. Peut-être, pour te mettre à l'aise, dire que ça n'est pas un sport... C'est A390 Beta. Pardon, oui. A390 Beta. A290 qu'on aimerait bien... A290, c'est la petite, c'est la R5 déclinaison Alpine. A390 Beta, c'est un show car, c'est un concept car qui préfigure le modèle de série qui sera présenté dans 6 mois. Néanmoins, elle dit énormément de choses. Et ça n'est pas un sport utility véhicule. C'est... Chut. Il fallait pas une berline 5 portes. C'est oui. Ça. Mais, je te laisse la parole parce mais que. J'ai pas. Ça... Confidence pour confidence, tu m'avais dit. T'appréhendais ce moment-là. Alors, appréhender, c'est une façon polie pour dire que je venais avec beaucoup d'a priori. Je m'attendais à voir quelque chose qui allait être, très honnêtement, comme tu l'as dit, un SUV. Pour moi, ça ne l'est pas. 1m50, hein, L'exercice, ce que vous voyez devant vous, c'est quelque chose qui va être à 85%. Proche du produit final en termes de look extérieur. Vous allez voir l'intérieur est très futuriste. Là, pour, c'est plus un exercice de style. C'est la Reine des Neiges. C'est de la science-fiction. Il y a plein de flocons. L'exercice qu'essaye de remplir Alpine, comme tu l'as bien dit, c'est de faire une Alpine à 110, 5 places. Et donc, c'est dur. Et donc, du coup, faut que tu aies quelque chose d'habitable. Faut que tu aies quelque chose avec, comme elle va être 100% électrique, faut que tu aies quelque chose qui soit en forme de goutte d'eau pour avoir une meilleure coefficient de traînée, donc une meilleure autonomie. Une bonne aéro. Et il y a une bonne aéro, et mine de rien. Eh bien, c'est pas facile. Et si tu regardes cette partie-là, tu la retrouves un peu. Si tu regardes cette partie-là... Allez, c'est très alpine, c'est très à 110 même ici. Même jusque-là, hein. c'est très arc-là. C'est très alpine. C'est très joli aussi, ce truc-là, tu vois. Il y a des arrondis. Ouais, on la retrouve, hein, la 110. Hein. Non, alors les jantes sont... 23 pouces, 315 original. De large. C'est du tout petit pneu. Mais je crois que c'est 23 pouces à l'arrière et c'est 22... Et c'est 22 à l'avant, ouais. Ouais. Puis bleu, le A, c'est marrant, tu vois, d'Alpine. Elle a le parfum des Alpes aussi, pour justement retrouver des racines montagnardes. Elle fait très, très grande. Alors, elle fait, entre guillemets, que 4,75 m. J'ai l'impression, je sais pas, alors peut-être en vidéo, ça rendra peut-être pas ça, mais j'ai l'impression de voir un truc extraordinairement long. Pour toi, c'est presque 5 mètres. Ah ouais, j'ai l'impression de voir un truc... C'est drôle, les perceptions, parce que moi, je me disais, tu as fait 4,70 m, ok, on redécouvre... La typographie alpine, c'est beau quand tout est éclairé. Hein. Est-ce qu'on J'espère va... qu'en série... Je vais demander à l'ouvrir. Ouais, on va est-ce ouvrir. Que c'est possible de l'ouvrir. C'est la Reine des Neiges. Hein. Il y a de la glace, libérée, délivrée. Alors, porte antagoniste, je crois. Oui, quand elle s'ouvre comme on va avoir une démonstration en live. On va pouvoir vous faire voir l'intérieur. Oh, c'est toujours un petit spectacle. Alors hein, ça m'étonnerait que ce soit sur la version de série, les portes comme ça. Parce que d'un point de sécurité et poids, ça doit être quelque chose. Ils ont joué à fond, tu vois. Bah, welcome to the Alps. Oh, ils ont joué à fond le côté carte, montagne. Ouais. T'as l'impression d'être. Et même, regarde à l'intérieur, tu vois, là, ils ont mis des petits bonhommes. Ah, c'est en marrant. Fait, c'est une piste de ski. Et donc, ils ont mis des petits bonhommes qui descendent la piste de ski. Waouh. Là, t'as l'impression d'avoir de la roche, en fait, sur. Ici, tu as l'impression, tu sais, qu'il y a eu il y a eu du blizzard et alors, ça a dessiné des... Pour ceux qui connaissent De Vialet, je ne sais pas comment ça se dit, moi je dis De Vialet, qui est une marque de hi-fi française. D'enceinte, ouais. Et bien, c'est très au look de De Vialet, donc c'est juste un exercice de style. Je ne pense pas que ce soit des enceintes, okay. Mais c'est issu d'une collaboration, cette partie-là. Et cette partie-là sont issues d'une collaboration avec De Vialet. Et il y a des transparences, il y a le volant aussi. Type F1. Waouh. Les sièges, c'est des moulures. En fait, ils ont fait des moulures de baquets de F1. Oh, sa belt, 4 points. Oh, franchement, attends, là, ça fait méga sport. Voilà, le truc. Alors, ça dégouline de plein de choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer plutôt avec l'extérieur. Parce que mine de rien, elle va arriver mi-2025. Et mi-2025, c'est demain matin. En gros, pour que les gens nous regardent, Alpine a des ambitions folles. Ce qu'ils veulent faire, c'est x30, x40 sur les chiffres qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont une A110 thermique. Succès d'estime, mais il faut en faire bien plus pour que Alpine s'émancipe. Mais ils ne peuvent même pas en vendre tant que ça, parce que sinon, ils auraient des problèmes de baromètre de CO2, je pense.
Et en fait, ils vont construire ce qu'ils appellent chez eux un Dream Garage. Donc le Dream Garage, ça sera une petite citadine qui est la 290 Beta, qui est la R5, émanation, un peu plus sportive. Tu auras la plus familiale, qui sera celle-là. Et enfin, la troisième qui arrivera, ça sera une A110 100% électrique. Et eux, c'est ce qu'ils appellent le Dream Garage. En tous les cas, c'est leur plan produit le garage pour conquérir le monde. Ça lui va très bien. Mais ils ont vraiment des ambitions folles. Le but d'Alpine, c'est de faire x30 sur les ventes d'aujourd'hui. J'ai hâte de voir la version définitive. Parce que si elle en est proche, alors tu as des déflecteurs le arrière là. C'est. Alors ça s'écarte, c'est ça, Vincent? Oui. Pour une aéro plus fantastique encore. En fait, c'est pour avoir une traînée plus forte et une meilleure. Bah, tu vois, il suffit de claquer des doigts. Ah bah voilà. Est-ce que tu veux qu'on aille chercher le papa? Tu vas aller chercher Bien sûr. Papa de cette voiture qui s'appelle Marc. On va lui dire son enfant aîné. Qui a été débauché, qui a passé 12 ans chez Ferrari. Et donc du coup, il va pouvoir t'expliquer quel est l'exercice qui a été fait avec celle-là. Allez, on va chercher. On va voir Marc. Marc Poulain, le papa de la 390B. Beta, pardon. Beta, ouais. Pardon. Enchanté. Un important challenge, tout à coup, de faire la première Alpine 5 portes, 5 places. Exactement. C'est pas une mince affaire. Hein. Ben ouais, ça mais devait bon, être... en tout cas, des vrais. Parce que chacun a une idée, en fait, sur ce que ça doit être. Exactement. Chacun dit son mot. Ouais, plus comme ça, plus comme ça. Non, ça doit être ça. Voilà. C'est pour ça qu'on a travaillé tous en équipe. Ça n'a pas été simple, mais en tout cas, on est très fiers du résultat. Le point de départ, ça a été quoi? La silhouette? Le point de départ, en fait, ce projet, il a débuté d'une autre manière. On s'est d'abord concentré sur l'intérieur et après, on a construit l'extérieur. Ah oui? Et c'est un peu une démarche inverse, mais l'idée, c'était quand on ouvre les portes, on a l'impression de se projeter dans la montagne. Ah ben, on a un Chabonis, paysage, hein. Là, voilà. Ouais. Alors, y a des t'as les rochers, y a t'as le sol minéral, les sommets enneigés, les carbone, voilà. Et avec ce contraste très fort entre le confort et le hyper high-tech, poste de pilotage typé Formule 1 et autres. Donc, un peu un twist à la française. Donc, ça, c'est venu spontanément, ouais. Aucune discussion possible. Carte blanche, éclatez-vous. Et puis, on a donné un effet de vitesse. Alors, vous voyez, tout est travaillé dans la longueur. Et normalement, ça, c'est des petites choses qu'on travaille sur l'extérieur. Mais là, on a voulu aussi en profiter pour donner un effet de vitesse de la lumière, même à l'intérieur. Et avec les portes. Ouais, bien sûr. Une fois qu'on est à l'intérieur, on a l'impression que ça défile comme dans Star Wars. Hein. Et vous êtes vachement amusé parce qu'il y a plein de petites choses. Enfin, il y a une forme de raffinement, de sophistication. C'est la complexité simple. C'est un travail d'orfèvre. Et en fait, on a même un petit... petit challenge, un petit bonus. C'est la clé? C'est la clé. Voilà, donc c'est moi qui l'ai. Je suis le seul à pouvoir la conduire. Il n'existe qu'un modèle, donc... On rigole, mais elle roule pour de vrai, en plus. Elle roule pour de vrai. C'est rare que les concept cars ou les show cars, en fait, puissent... C'est vrai. Donc, puissent se déplacer, se mouvoir assez facilement. Donc, on la place au milieu du volant, et puis là, la voiture prend vie, parce que c'est certain qu'aujourd'hui, sur un véhicule électrique, on ne sait pas quand il est démarré ou pas. Donc là, il y a une vraie séquence de welcome. Et puis ces lames super légères, encore une fois inspirées par la montagne, la glace, qui vont avoir des informations un peu typées holographe, hologramme, pardon. Et puis les infos naviguent de devant à derrière. Pour avec un effet de relief et peut-être de head-up display. Enfin, c'est. Et puis il y a ce fameux arche en fait. L'arche, donc la silhouette, voilà, on sort de la montagne, on prend un peu de recul et là on aperçoit. La silhouette sport fastback de ce véhicule qui est un peu une A110 d'aujourd'hui, mais qui commence à s'étirer, s'allonger et puis prendre des proportions de voiture pour le plaisir de conduite, mais aussi pour recevoir 5 personnes à bord. Ce qui a été un véritable challenge aussi chez Porsche. Enfin, tout le monde se dit comment on réinterprète sa voiture emblématique. Oui. Et il faut l'étirer. Donc on prend l'héritage, on prend tout ce qu'on a chez nous, l'ADN de la marque sportive, la F1, Le Mans, et puis il y a Le Mans, bien sûr. Ouais, exactement. Mais oui, merci. Le Mans est là,
Il divise la voiture en deux, net. Hein. C'est une vraie dérive. Alors, ça fait aussi un clin d'œil à la 110 Le Mans, qui a une petite dérive sur l'arrière. Sauf que cette fois-ci, elle transperce la bulle et elle vient découper la voiture en deux. Tu disais, il y avait un côté olympique aussi. Ouais, on dirait un plongeur, un nageur qui sort de l'eau. Bon, c'est assez fun. Il faut savoir qu'on s'est vraiment éclaté sur ce projet-là. Pour donner des repères à ceux qui nous écoutent, il faut combien de temps pour développer un concept car ? Alors, une année très dense, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la maquette que vous voyez là, ce show car. Et il y a eu des retours en arrière, tu vois, il y a eu des « on se trompe, non, on abandonne ce truc-là ». Alors, on propose beaucoup d'idées et après, on fait forcément un compromis. Tu fais un tri et tu… Ouais, on fait un tri. Mais l'idée, c'était de pouvoir vous montrer ce que la voiture de production, à quoi elle ressemblera. Et là, sachant que vous teniez compte, j'imagine, dès les premières esquisses de ce qu'il fallait faire en production en série. Exactement. Donc, tu ne peux pas te dire on est libre sur certaines mesures, bien sûr. Mais, 100% électrique. 100% électrique, voilà, avec trois moteurs et deux à l'arrière, un à l'avant. Et puis, il faut que ce soit super véloce, évidemment, parce que c'est une Alpine. Exactement. Donc, tu ne peux pas dire grand-chose, mais ça ira vite. Non, non. Et aujourd'hui, on a les prestations, avec cet engin-là, on a les prestations d'une A110. Ah oui ? Mais reportées sur ce gabarit-là. Et pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, on a une innovation incroyable de technologie, le torque vectoring. Donc là, on l'a mis en évidence avec cette lumière bleue. C'est un système qui permet de faire contrôler les roues indépendamment. Et donc, la voiture devient ultra agile. Donc, ce n'est pas simplement une voiture électrique qui va tout droit de 0 à 100 en 2 secondes. Ce n'est pas ça. Chez nous, chez Alpine… Une voiture qui ne sait faire que des accélérations comme les Mustangs aux États-Unis. Comme beaucoup. Et qui ne savent pas tourner. Exactement. Celle-là, au moins… C'est sinueux et puis on peut dévaler les routes de montagne à vive allure. Question, j'imagine que tout le monde a en tête, qu'est-ce qui restera de, je sais pas, d'éléments très poétiques, tu vois, de petits détails. Ouais. Le fait que les roues s'éclairent comme ça dans leur centre, alors, c'est possible non, ou pas ? On va pas l'éclairer. Par contre, le design de la jante s'est inspiré d'un flocon de neige. Oh, ça se voit tout de suite. Et pourquoi c'est un flocon de neige ? Si on regarde de près, en macro, c'est le meilleur rapport entre structure et lightness. Donc, ouais. Et solidité, voilà, et tout solidité. Ça. Donc, et légèreté. Et je crois que tous les flocons sont uniques. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Il se dessine. Je ne pourrais pas vous certifier à 100% que les quatre jantes sont égales, mais en tout cas, devant, elle est un peu plus petite qu'à l'arrière, ça c'est certain. Et les pneus, ce qu'on disait avec Vincent, ils sont 75 de large, t'es au top du top de… Ouais, c'est vrai. Les manufacturiers, il n'y a pas plus… C'est... On est au bout de notre catégorie. Quand il faut changer les pneus, j'aimerais bien avoir ce problème. Et alors, on va retrouver aussi ça sur le modèle de production. Donc, on a soigné l'aéro. L'aéro, c'est on va dire, notre ordre, notre ligne de mire, c'est et indispensable pour une électrique en ultra plus. Ultra important. Il faut réduire le drag. Donc, on a tout un système aérodynamique à l'arrière qui s'étend, qui donne un effet de long tail. On va pouvoir l'observer et qui réduit le coefficient de traînée. Et voilà, il suffit de… Tout est paranormal. Elle oublie, c'est génial. Vive l'intelligence artificielle. C'est magnifique, ta voiture, on a tous envie de l'acheter. Il suffit de dire, on pourrait fermer les portes, par exemple, et puis avec la pensée, voilà, on arrive à tout faire. Le petit drapeau bleu, blanc, rouge, illuminé, tout ça. Ouais, ça c'est Cocorico. C'est de la bijouterie qui… On est dans le savoir-faire à la française, dans le côté très précis, la précision et l'excellence. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, elle est réinterprétée sous une forme de petite ailette aéro qui divise la carrosserie bleue du toit noir. Marc, l'Alpine A110, c'était ces fameux quatre phares un peu ronds. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a remarqué que quand on met tes quatre phares ronds sur un volume tel que celui-ci, on obtenait quelque chose, une recette qui était moins impactante, moins moderne. Moins bien, ouais. Donc on a voulu toujours conserver ces quatre phares, sont très importants, mais les rendre super minimalistes. Ah, ça y est, je les vois, ok. Ils sont là et c'est devenu une aile qui va couper notre capot en deux et qui va mettre en évidence le passage d'air. Ça passe bien à travers. Merci de le dire, mais ouais. Donc
Oui, donc il y a un vrai flux un et vrai qui flux, pose ouais. l'avant en plus et qui vient apporter ouais, avec un effet air roue. Ça va accélérer le flux et puis ça va permettre de passer par-dessus. Alpine a des ambitions évidemment internationales. Ça va être un outil de conquête. Ça a joué aussi dans la réflexion et dans le design. Bon, il ne faut pas trop se modeler par rapport aux autres. Hein. Il faut être... on est nous-mêmes et je pense que cet objet-là, il reflète bien l'ADN de la marque. Donc, pas trop de soucis sur ça, j'espère. On a hâte de voir les specs. On a... Rendez-vous dans 6 mois, c'est ça? Exactement. Voilà, la version définitive. Exactement. Si on peut rentrer un peu dans le détail. Oui, on n'a jamais fini de finir. Oui, parce que c'est infini, hein, bien sûr. Ouais. Mais on a ces triangles de lumière qui sont inspirés du concept car Alpen Glow, qui est un prototype roulant à hydrogène qu'on est en train de développer en parallèle. Et l'idée, c'était d'avoir une comète qui transperçait l'atmosphère. Et donc, il y avait les étincelles qui se formaient sur la partie avant. Et ça, c'est le jet, tu vois, l'espèce de dynamisme donné par la lumière qu'on a voulu réinterpréter sur cette face avant. Oh, mais merci, parce que c'est incroyable. Il y a un côté très, à la fois cinématographique, très romanesque dans les coups de crayon. Enfin, tu vois, tu nous expliques comme on comprend tout. On a vécu ça de tout début, hein, et c'est pareil, pour donner de l'appui sur ces roues, on a créé des passages, des ailes qui s'incastrent sur le volume. Il y a un truc un peu comme sur les Nike, sur les chaussures. Oui. Ouais, raconte-nous ça, parce que ça, c'est super, c'est une signature. La Red Le Souch, donc c'est le signe qu'on a sur l'actuel A110, mais on l'a réinterprété en clé moderne. Exactement. Sur l'ensemble des latérales. Ça part de devant, et puis ça... Ça repart vers l'avant. Comme le cycle de certaines chaussures. Voilà. Bon, pas les miennes. Mais ça permet de sculpter la carrosserie et lui donner toute sa légèreté. Visuellement, la voiture paraît light. Et ça, c'est... Et Redele, grand nom, justement, du patrimoine d'Alpine. C'est ce qui a fait aussi le succès de la fameuse A110 dans les années 60 et 70. Qui était un grand personnage qui n'a pas, contrairement aux autres, donné son nom de famille à la marque. Mais qui a voulu conserver le plus haut possible. Le nom Alpine parce qu'il s'était adoré, il a adoré ses balades en montagne avec ses voitures, et donc d'où la création du nom Alpine. C'est formidable parce qu'on a hâte de voir le modèle définitif. Mais moi le premier. Et on lit dans tes yeux que forcément à 6 mois tu as dû la voir 10 fois et tu la connais par cœur, mais waouh. Et puis cette arche là qui est très, on la voit là, on voit la 110. Ouais. Super petit détail aussi. Ouais. Le A inversé. C'est un peu controversé, mais comme les premières berlinettes de l'époque. Alors pourquoi Parce que Jean Rélé disait la flèche, c'est toujours en avant. Et donc, comme certaines, d'ailleurs, je ne vais pas citer, mais vos chaussures, le logo est toujours projeté vers l'avant. C'est la vision du futur. Hey, qu'est-ce qu'on apprend comme chose? Non, mais c'est vrai, je le dis sérieusement. Il faudrait toujours en fait, qu'on parle avec les parents. Ouais, une voiture. C'est vrai. C'est Marc, tu as présenté peut-être. Mais... Merci beaucoup. Un plaisir. À bientôt. Très prochain. Parce que c'est une sacrée aventure. Ouais. C'est que le début. Hein. Donc c'est ça qui est bien. Et on te remercie de cette visite. Avec grand plaisir et puis à très vite. À très vite les amis. Évidemment, on s'abonne. La bise à mamie et puis des émissions sur Sandborn, il y en a l'appel. Et puis, peut-être qu'un jour, on pourra prendre le volant et qu'on ira faire un tour. Ce serait marrant dans Paris, tu vois. Marc, merci mille fois. Salut. À bientôt, les amis.